Alors, un scope, ça sert à quoi? La surveillance. Surveillance continue, d'accord, des patients. Donc on va prendre de façon continue ou très rapprochée. Parce que qu'est-ce qu'on prend en continu? Qu'est-ce qu'on surveille en continu? La saturation en oxygène, la fréquence cardiaque, fréquence respiratoire. Alors la tension, c'est pas en continu. Sauf si votre patient il a un cathéter artériel. Vous l'avez vu en cours. Donc le cathéter artériel, c'est un cathéter qui va être relié au scope. D'accord? Là, on ne va pas en parler aujourd'hui. Donc s'il a, votre patient, s'il a un brassard à tension, ce ne sera pas en continu. Parce qu'on ne va pas lui prendre, serrer le bras. Voilà. Par contre, on va faire une prise de pression artérielle, une mesure, et on va choisir l'intervalle de temps. Ça va se faire automatiquement. Donc ça va être toutes les 10 minutes, toutes les 15 minutes, toutes les 5 minutes. C'est selon l'état du patient. Plus il est stable, plus l'intervalle va être important. OK? Donc voilà. Les branchements, je vais vous laisser les faire après. Vous découvrirez. Mais on a trois câbles. On a un premier câble, celui-là. Donc il a 5 fils. Ce sera pour... Qu'est-ce qu'on obtiendra? Le CG, voilà. Donc on obtiendra le rythme cardiaque et le tracé de CG. Le brassard pour la mesure de la pression artérielle. Et le troisième, qui est là, c'est le bleu foncé. C'est l'oxymètre de pouls ou la saturation. D'accord? Voilà. Donc ces trois fils doivent être reliés au scope et donc positionnés sur le patient. Ils doivent être positionnés le mieux possible parce qu'en fait, les valeurs n'auront d'intérêt que si on a un tracé correct. Et ça, c'est ce que je veux vous montrer. Voilà. Donc, il y a toujours des couleurs différentes et c'est toujours les mêmes couleurs quel que soit le scope. On a toujours en vert le tracé d'électrocardiogramme, d'accord, avec l'affichage chiffré, ce sera la fréquence cardiaque. Okay. Donc sur le CG, vous voyez, on voit plusieurs choses. On voit le rythme et on voit là, par exemple, si je prends ce tracé-là, vous voyez, là, l'intervalle QRS, il est étroit et ici, il est plus large. Donc là, déjà, on pourrait dire il y a déjà un petit trouble du rythme. On va voir aussi ce qu'on a dit, si par exemple il y a des problèmes avec les catécholamines, on peut voir, là il n'y en a pas, on pourrait voir des extrasystoles. Vous savez, de temps en temps, des grands tracés comme ça, un peu sortis de nulle part. Donc ça, ce serait une extrasystole ventriculaire. D'accord? Donc ça, c'est pour la fréquence cardiaque. Donc là, on aurait 62. En rouge, c'est la pression artérielle. Donc la pression artérielle, si elle est prise avec le brassard, ce qu'on a vu là, ce que nous, on va mettre en place, on n'a pas de tracé. On a juste la valeur que vous connaissez, que l'on prend sur les dynamaps habituellement. Là, on a un tracé, et le tracé, c'est le tracé qui est lié au cathéter artériel. D'accord? Et en fait, le cathéter artériel, ça permet de mesurer la pression artérielle environ... là, pour le coup, constamment, c'est-à-dire une prise par seconde. D'accord? Donc, il y a toujours des petites variations, mais en fait, on va avoir en permanence des valeurs de pression artérielle. D'accord? Ce qu'on surveillera, donc la fréquence cardiaque et la pression artérielle, c'est ce qu'on surveillera lorsqu'on fera des relais de catécholamine, par exemple. Donc, troisième valeur en bleu, celle-là, vous la connaissez, la saturation en oxygène, d'accord? Donc, avec un tracé, vous voyez, assez régulier. Là, il a 97, merci. En jaune,
En jaune, on va avoir la fréquence respiratoire. D'accord ? En jaune, ici. Vous voyez, 20. Là, c'est la fréquence respiratoire. OK ? On peut avoir d'autres valeurs qu'on ne va pas forcément voir aujourd'hui, parce que d'abord, on n'a pas le matériel, et puis c'est plus spécifique. Il va y avoir la courbe, on peut avoir des valeurs de température. OK ? Et puis, on peut avoir ce qu'on appelle la PVC, c'est-à-dire des pressions veineuses centrales, et ça, c'est lié au matériel, au cathéter. D'accord ? Donc ça, aujourd'hui, on ne verra pas ça. Ce qu'il faut retenir comme message, parce que la plupart des choses, vous le connaissez, c'est que la valeur que vous relevez, d'accord, par exemple 97 de saturation, il n'a de valeur, c'est-à-dire il n'a d'intérêt, que si le tracé est régulier et ample. Si vous avez un tout petit tracé comme ça, ou pas de tracé, et que vous avez, je ne sais pas, 82, votre patient n'a probablement pas 82 de saturation. D'accord ? On regardera le patient, est-ce qu'il y a des signes de cyanose, est-ce qu'il y a des fuites sur le respirateur, est-ce qu'il transpire, est-ce qu'il y a des signes qui associent 82 de saturation ? Pourquoi il a 82 ? Et en fait, la plupart du temps, c'est juste parce que le capteur au doigt, eh ben, il n'est pas mal placé. Il est mal placé, donc bah, la mesure est fausse. Ou alors, ça va être lié, par exemple, aux catécholamines. Vous vous rappelez, les vasoconstrictions périphériques qui font qu'on va avoir les doigts froids. Et ça, ça empêche, ça gêne la mesure de la saturation. Donc parfois, vous pouvez trouver des capteurs qui ne sont pas comme celui-ci mis au doigt, mais qui vont être collé sur la peau, par exemple sur le nez, sur le front, sur les oreilles, etc. D'accord ? Je vais maintenant scoper mon patient. Donc, je vais positionner les patchs afin de mettre les câbles pour le CG. J'en ai besoin de 5. Et le dernier. Alors pour le branchement, du coup, pour le moyen mnémotechnique, généralement on dit le soleil se lève sur la prairie côté gauche, le sang sur le bitume et le dernier qui reste, on le positionne au milieu. Donc là, jaune pour le soleil en haut à gauche, vert en bas à gauche, le rouge, donc le sang sur le bitume, le noir en bas à droite. Et le dernier qui reste, le blanc, au milieu. Maintenant, je vais mettre le saturomètre. Donc, ça se met au doigt. Donc, j'ai le doigt de mon patient ici. Il y a une petite lumière rouge que je vais mettre au-dessus. Hop, je vais le mettre au pouce. Voilà. Et la dernière chose qu'il me reste à mettre, c'est le brassard pour la prise de la tension. Donc que je raccorde à ce niveau-là. Et que je mets sur le bras de mon patient.